Est-ce que commissaire Gospel c'est un fantôme 509? Yon sel polis, yon sel fami. Nou menm fantom 509, ke papa baron, ba emisyon. Alors, nou tou antre zari nan Haiti Police Protestation, kel e l'objektif kache de policye du syndikat de la police nationale d'Haïti e de policye 509 fantom. Nou tou antre nan presa. Regroupe au sein de policye fantom 509. E mde di, mde anonse aye, pal gen des arrestations en cascade, paske l'état pa tolere quelle que soit façon vagabondage, quel que soit monde cap agi dans non police nationale d'Haïti selon ministre justice. Nous même fantôme 509 que papa baron bay mission pour protéger vivant yo qui donc vivant policier. Fantôme 509 qui campé des campé dinguet des de policiers en uniforme yo. Fantôme 509 c'est ça les zombies policiers mouri yo, yo bay tête yo non policiers qui mouri yo qui entre dans corps policier vivant yo, c'est yo fantôme 509 là. Fantôme 509 yo apprend que yon incident qui passé hier soir Delma 33. N'ap di bravo à tout journaliste yo qui solidaire entre yo et qui toujours accompagne nous dans la ria. Les n'ap défend droit vivant yo. Mais ça pas vle di ou ka fè vivant yo sauvle. Ça c'est fantôme 509 qui a parlé. Dossier ça, son dossier qui est relaté sous un groupe police. Rien groupe, hein, ok? Yon contravention, yon vivant baou, ou gen possibilité pour faire recours dans service circulation. Côté ou doit aller tout de suite, et ou doit aller pour tout de suite nécessaire. Yon policier vivant, dans cadre de travail li, ba yon journaliste, yon contravention, ou frappel, et puis ou prend devant, al di yo batou. Fait pile, parler en pile. Ça c'est fantôme 9 qui parle, ça c'est 509 qui parle. Même dans cimetière, papa baron pas d'accord des autres ça yo. De Geramo, nous apprendre sous l'autre patron, ou lever à 11h PM ou à libérer George Allen qui fin frapper un policier vivant selon fantôme 509. George Allen t'a frappé un policier vivant. Ça c'est vraiment bio qui parle. Pour faire bon sous plaisir. Nous connaissons ou agi sans l'idée pao depuis c'est pour satisfaire bossou. Nous même fantôme 509, nous pas accepter à corrompu pareil ou yo pour faire arrêter yon vivant parce que yo connaît yo pas arrêter yo. Qui donc fantôme 509 connaît gagné mandat gagné arrestation pour le fait dans mitan police qui impliqué dans quatre dossier 509 là. Fait arrêter yon vivant qui t'est dans backup qui tap fait travail yo dans Delma 33. Pour nous même fantôme 509 qui a bagé avec baron sous protection baron cap veiller prison yo nan, cap veiller prisonnier yo dans prison koto pral mette policier sa yo ou pral arrêter nous pral libérer yo même jour ça et puis tout confirme tout et puis tout confinement a tout levé. Comprenez bien, Louko? Fantôme 509 dit, yo pral levé confinement. Nous connais un pays en état de confinement. Et puis, tout nèg qui campait en quoi, qui empêchait policiers vivants yo défendre droit yo pour yo vivre bien, pour faire travail yo, nous même Fantôme 509 qui gen mission protéger et défendre vivant, n'a commencé identifier yo n'a fait yo pas à l'aise avec toute famille yo faut que ça change dans pays ya soit Haïti crasé une fois ou soit la justice blaye pour tout vivant yo ça c'est fantôme 509 nous même fantôme 509 nous pas gen prison pour nous parce que c'est pays en 2004 ça c'est fantôme 509 qui a parlé et mais papa baron pral bay fantôme 509 un secret pral bay fantôme 509 yo secret à tout. Vive la PNH, vive SPNH, vive Fantôme 509. Merci et syndicat pour que j'aime démarquer de Fantôme 509. Il y a son message tout veut par ministre par ministre justice là non? Très bien. OK. Madame monsieur, où dans émission matin débat. On dit si avant c'est grâce seconde déjà gratter chaudien tout gratter là de Léo. Aujourd'hui à Blanche. Après ça passer par défait là dedans. Après ça passer par défait. Yeah. Après ça s'ouvre l'arrêté, vin arrêté. Ok, nous entendons notre fantôme 509 là. Est-ce que nous entendons? Ok.
Nous toujours été dans rubrique journaliste là que policiers bastonné hier soir. Monsieur Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État à la communication, comment nous y est? Dans forme nous quoi? Et ma bonne super recevoir. Moi soir c'est 5 sur 5. Et 4 sur 5 m'attendez là. Bonjour, moi Isaïe Sidra, je m'en suis débarrassé sur le tableau, même salut tout le monde qui est avant dans le studio. Très bien. Et pour l'autre victime, nous avons recevoir toutes les positions, secrétaire d'État, à travers nos notes, que le secrétaire d'État, le non-gouvernement, s'est sorti pour nous dénoncer ce type d'action. Très bien, merci. L'occasion de nous tourner pour nous, mon cher, continuer le travail de remise à question, pendant que nous avons toujours toutes les essences disponibles. Au cas où l'autorité ou l'État a des communicants, a des monde qui mettent là, qui fait réaction et éventuellement dans qui doit les réponses là. Très bien, merci en pile, merci en pile, secrétaire d'État, merci en pile. Alors on nous fait un exercice. Nous solidarité et nous faisons partie, mon frère, bonne continuité, bon rétablissement et bon travail. D'accord, merci en pile. On nous fait un exercice là. Et sous cap parler puis fort bien bon monsieur relo sur notre numéro de téléphone parce que communication est très bas et en fait son sorti bas et à moins que ou si font il faut parler plus fort sous capable. OK, est-ce que ça c'est mieux? C'est bon là maintenant, très bien. OK. OK. Et merci en pile pour support, merci pour et sympathie yo. Et gon dossier je dis là que la presse pour capable digérer. Dans ça qui gain rapport avec question couvre-feu secrétaire d'État. Est-ce que jodi la presse fait partie de groupe de monde qui pas gain droit circuler donc dans mon couvre-feu? On dit que la presse autant que toute catégorie de citoyens, de citoyennes, tout le monde ordinaire dans la société a une nécessité pour que l'État protège nous dans le contexte actuel là, qui est pandémie coronavirus là. Donc l'État a une responsabilité pour protéger la santé population en général. Ça c'est la première précision. La deuxième précision, l'État a une responsabilité pour protéger et garantir l'exercice de la liberté d'expression et accompagner une série de catégories professionnelles qui est indispensable dans le moment de pandémie. En bref, l'organe le personnel médical, à travers tout ça, il y a un médecin, auxiliaire, infirmière qui ont même la chaîne de soins. Ce sont catégories de personnel indispensables. On prend journaliste. Ça, c'est une catégorie de personnel indispensable. Ce sont des personnels indispensables. Pour qui ça? Je dis, si on a un concours, on a un Francochon, on a un débarrier, on a une Sainte-Suzanne, on a un coq, on a un Wanamet, on a un Tilori, on a un Loscacaos, il veut connaître l'existence du coronavirus, c'est grâce à la presse comme médium. À partir de grosses mobilisations que la société a fait, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit dans la société civile. Donc, catégoriser les indispensables et comme support qu'il a baillé dans sa nouvelle-là. Et le Premier ministre, dans plusieurs interventions, il dit que le plus gros sponsor que nous gagnons dans la bataille, c'est la presse. Donc, dans le niveau gouvernement, nous reconnaissons ça et nous parlons dans la dynamique pour faire restriction de liberté, encore moins de restriction de liberté de la presse. Cependant, il faut que nous nous dynamique expérimentale. À travers la planète, que tous les États pas préparés pour ça, que ce soit la législation qui dit mais qui j'en voulais faire. Quand c'est expérimental, vous devez un accord peuple, vous devez un accord population. Très bien. Ok. Et en nous était sous cas, journaliste Radio Caribbean soir, malgré que l'identifié, l'autorisation justement de secrétaire d'État donc, et à la communication, il présentait le policier, malgré ça, au bastonnel. Moi, ça c'est grave. On a discuté, Jean-Georges Allen, et tu me parles avec Georges Matéa, je vais te solidarité, et me présenter le préparé déjà Matéa. On va nous garder des dénonciations, on va nous prendre à faire. Même qu'il a empêché de faire violence sur le journaliste, c'est eux-mêmes qui ont violé le journaliste. Donc, ça c'est un abus que nous dénonçons. Et vous dites ça, à titre personnel, je vais avec Alain, et moi, je vais dire publiquement, demander à Georges Allen, porter plus au niveau de la justice. Pour que les policiers qui ont agressé là, ils jouent une justice par rapport à eux-mêmes. Demander instruction de la police pour que, dans le niveau par eux, ils assument les responsabilités, mais non enquête sur sa crise,
incident ça qui passe dans le droit hier soir. Qui ça? Parce que les policiers qui disaient à l'agressé avant, eh bien, si c'était le cas, donc, ils vont pas vivre dans la rue, ils vont appuyer sur votre citoyen, un citoyen victime, la police, il y a une agression impliquée des policiers, la police a une responsabilité pour rétablir la vérité, mais une enquête dans le temps. Là, même pas les consulés de l'État, on se suit des droits, on se suit des droits à dénoncer. Lors on a réussi à faire beaucoup de temps, il y a des pays qui ont été mis au ça, on va les dire, non, on réussit à battre ma donnée là. On va les dire, moi, on a brûlé là pour alerter les autorités. Nous, gens, comme simple citoyen, nous avons le droit pour nous dénoncer. Et comme secrétaire d'État, dans la responsabilité, nous sommes doublement qualifiés pour que nous demandions aux autorités de prendre responsabilité dans la question. Ça, un, nous avons pour voter bien. Nous-mêmes, tu l'as pas accompagné. Deuxièmement, nous aider la police à travers l'instruction générale et une enquête. Eh bien. Ça, c'est vrai, impliquer la police. Donc, quand il y a un signe comme ça qui est arrivé, il y a un certain dans l'État qui l'a, pour faire respecter les dispositions qui prend, dans le cas d'arrêter sous l'état d'urgence sanitaire là, chaque député est un certain concerné. Il faut être très bien dit à vos conseils de gouvernement, vous avez eu plusieurs, le conseil de gouvernement de l'État, le plan de l'État, la discussion pour que le Premier ministre soit attaché pour chaque instance. Il a une responsabilité qu'on est même côté de lui qui a commencé, même côté de pouvoir finir. Mm-hmm. Maintenant, en ce temps de crise sanitaire, et pour qu'il sache que la presse doit gagner une autorisation dans un sens de l'État pour le circuler librement, pour le fonctionner normalement, pour qu'il sache. Qui ça nous fait de droit que la presse a gagné à partir de la Constitution? Oui, la presse que tu l'as attiré à la Constitution, la presse libre et libre pour l'exercer et professionnel. Moi, comme journaliste, on connaît ça comme un devoir. Son mission est pour moi, c'est bien. C'est un chapitre à la Constitution. Cependant, puis l'État, estime ça bien là, c'est en guerre. Donc, il dit qu'ils sont en guerre contre la pandémie, notamment l'État haïtien. Yo capitaine qui n'a guerre là tout. Ok. Comment comprendre secrétaire d'État que Haïti dans la guerre contre le coronavirus pendant que la population par attends sous base ça. Allez-y. On va poser une question. Allez-y. Sous base ça, l'État prend une position pour protéger la population qui restreint la liberté du monde à travers une disposition qui c'est le couvre-feu toujours pour protéger la population. Mais moi demandé la police. Nous m'en disons, Haïti dans la guerre. C'est pas qu'on y a. Ok, c'est pas qu'on y a. Ok. Oui. Mais l'obgade des populations, comportement, et n'y pas qu'on y a guerre ça, non? Mais c'est peut-être ça, je dis. N'y pas qu'on y a guerre, non? C'est peut-être ça, je dis. C'est trop pour demander aux populations respecter toutes les mesures. Pour demander aux populations qu'on a vu ça, c'est bon, je vous nous demandons pour même continuer ce prolongement de message ça. Pour dire que le coronavirus n'a pas rejoué, donc il faut protéger Tétio. Parmi toutes les mesures qui vont protéger Tétio, ça montre l'expérience ça. Même dans le continent que ça soutient, et même dans le même continent, il fait expérience sur que une mesure qui protège Mounio, c'est le port des masques. Et bien, en Thaïlande, ça va être un résultat. Donc c'est pour ça que nous Mounio, mettez masque pour qu'il continue à protéger Tétio. Il est à prendre des solutions pour distribuer masques gratuitement, mais il y a plus d'autres institutions qui ont terminé le masque. Masque à 25 ans, nous demandons d'acheter des masques pour protéger les têtes. C'est bien. C'est bon, je vais lier par des autres, parce que si quand vous achetez des masques, vous allez prendre des motos, vous allez prendre des machines, pour protéger les têtes, la santé, comme les vagues prix, achetez des masques pour protéger les têtes. Lavez-moi, ces dispositions, baillez-moi deux par trois par distance. Ok, les non l'espace, non l'espace, une de côté sur le côté de l'autre là. Ma mettez ma sous amie parce que même pas pour un papaye. Et en plus, si vous parlez d'urgence, mon cher, vous êtes la carte. Très bien. Qui j'en. Qui j'en. Ça, c'est dans tout pays, moi, à fabriquer. Très bien. Qui j'en comprenne. Et alors, moi, je toujours dis ici, en matin, c'est Haïti, nous y est. Nous sommes en France, nous y Italie, nous États-Unis. Qui j'en comprenne, c'est que l'État. L'État ferme l'église, ou d'accord même. Et le gouvernement arrête pasteur. Les fermes. Cela dit, pour le monde qui a fait 4 électorales, pour qui a fait 4 électorales, c'est responsabilité directeur, chef de service, pour qu'il y ait un monde qui vient de faire demande
de service du cadre électoral là, respecter les résultats hier. L'État a fermé pendant une période là. La police a continué à fonctionner. La justice a continué à faire service. L'État a fermé. Eh bien. C'est vrai, nous, j'ai une situation à passer dans le cadre électoral là. Un gros zoom qui mettait sous lui, mais ce n'est pas seulement le cadre électoral qui continue à délivrer. Les jurys continuent à marcher. L'immigration continue à marcher. Ou avec cette continue à marcher. Là, si on a besoin de faire nos machines, il y aurait une autre action à dire, voilà, on a besoin des machines. Après, on continue à marcher. Ça veut dire que le service public a fonctionné. Donc, c'est responsabilité de chaque responsable. Même les deux comme ça. Responsabilité de chaque responsable. En ne pas avoir à charger aucun lien. La position, en l'état, pour y faire respecter le résultat arrière. En pile. En TGI, M. Morlan, pour y faire mon gabinio. À travers mon activité de la police, là, n'importe là, agent de sécurité, parfois, il y a même des infirmières, très température. Faire laver, mais mettez-vous, mettez-vous qui pleut là, avec ça, vous voulez laver, mais. Donc, c'est responsabilité directeur, responsabilité chef de service. Et les mounis en train de gérer, ils vont répéter au pile sous pile. Ils doivent, chaque monde, bah, il y a 1,50 là. Responsabilité, moun, il est même en charge là. Eh bien, dernière question, et secrétaire d'État. Où est-ce que vous avez fait des amis là? C'est pas le président qui fait mon affaire carte électorale. C'est pas le premier ministre qui fait l'affaire carte électorale. C'est un service. Donc c'est responsabilité de mon directeur côté affaire carte électorale là pour que je fasse mon respect. Non, c'est pas ça le problème. Non, plus, c'est la condition. C'est la condition qui a fait carte électorale là dans le moment que tu es en guerre. Il y a la condition, oui. Ou bien, on a dit que vous pouvez pas utiliser le mot en condition de la vie pas normale. Moi qui ouvre la porte là. Pour dire mon nom, il fait qu'à les Français, mais respecter le jury. C'est ça seulement, oui. Le fait de faire qu'à l'électorat, ce n'est pas un problème. Le fait de vouloir avoir un passeport maintenant, ce n'est pas un problème. Pour les équipes fiscales, ou pour les ministres qui ont la réputation, et parce qu'ils m'ont envoyé là. Il y a plus de l'application de la loi. Et il y a tout qui a marché. Au monde qui prend un calme, tous les gens vont être polis. Pas qu'il y a toujours l'ouvrir, oui. Non, mais problème, c'est que le secrétaire d'État, problème, non, c'est parce que. La loi doit appliquer dans le moment couvre-feu. On journaliste. Écoutez, journaliste en fond exercice fonctionnel. Et puis, il croise avec un patrouille et puis il bastonne. Pendant ce temps, que même la loi ne peut pas appliquer pendant que Mounio, non, ligne, yon kola klot, ok, et puis pour le fait 4, pour l'immigration, pour le service au AVCT. Pour ça même la loi ne peut pas appliquer pendant que yon non ligne tout. Alors que nous en guerre. Pendant que nous en guerre. Nous. Comprenez bien, oui. Alors là, on va parler de la loi. Elle dit que, si bien comprenez, il y a un journaliste qui a circulé le soir. Bon, la loi, je dis, on a été présidentiel, dit que, par un monde qui doit prendre la rue, maintenant, nous appliquons même loi ça sur le journaliste là. Ok, dans la rue, dans le couvre-feu. Pendant ce temps que même loi ça n'a pas appliqué pendant que, je dis, ok, principe pas respecté. Les gens qui ont non ligne et bonne pas paquet. Ok, il peut faire carte électorale, il peut prendre service d'immigration, il peut prendre service au AVCT. Pour ça, la loi, ça va appliquer pendant le moment, ça tout. Je vais répéter pour vous, mon qui va faire aussi, il va appliquer, mais je suis pas allé au bon côté, il manque à responsabilité. Eh bien. Mais en ce qui a des journalistes là, c'est pas la loi qui va appliquer, forcément. Le journaliste va permettre de conduire. Ok. Il va autorisation médiale, ou bien le bon badge médiale, il va autorisation au centre de l'État, ou bastonner son admission, c'est violation de la loi. Eh bien. Dernière question. Village de Dieu. D'accord. Nous te gagnons délai de 72 heures. Le ministre de la Justice, il est clair. Il y a tout le monde village de 72 heures. Et puis on quitte le village là. Et nous avons déjà passé de les 72 heures là. Et qui action que je dis à et population qui va attendre qui va le faire au niveau de village de Dieu. Ah, c'est pour ça, j'ai envie de quitter les plus bandes de l'île et leur financière financière espérée de connaître. Ok. Même les fonds précision. Et justement, par rapport à la spécificité de Chansara, qui est la sécurité publique, nous ne sommes pas capables de voir aller dans la rue. Stratégie, non. Stratégie, les plans et gouvernement rien, la perspective pour rétablir la paix dans la région Sahio et retourner implanter en tant que l'État un service dans la communauté Sahio. Très bien. Merci en pile, secrétaire d'État. Merci en pile. Merci au plaisir, Loukou. Merci en pile. Ok, bon. Et pas oublier nous dans la question Fantôme 509. Et là, dans nous, là, oui. Et nous, on a commencé avec question journaliste. Georges Alain. Georges Alain, donc de Caraïbes. Alors. Alors, comment on a dit qu'il est très important, Esaü? Même si tout à l'heure, on dit que la presse pagaine doit demander autorisation pour fonctionner,
Alors c'est journaliste et tout qui a des comportements pour gagner. Faut une clé sur lui. Faut une clé. Ok? Parce que policier, dit quand même, c'est un agent en force de l'ordre. En force de l'ordre. Qui a mis l'ordre. Qui a des comportements pour gagner. Maintenant, c'est pas parce que c'est journaliste qui pense qu'on va jouer policier. Bah bon, manquer des gars à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Il y a un problème de confinement. Il y a un salade où madame a quitté. Il y a un ladin autour. Et ménage a quitté. Ça n'a pas bon droit pour frapper le journaliste. Il y a un problème, mais bon, j'en tout. Ça va bien, c'est pas parce que le journaliste n'a pas de droit pour parler ou apporter dans maman. Non, non, ça n'est pas possible. Bon. Mais alors, bien que connaissant l'homme, il va pas. Mais quand même mon frère que pas un couvre-feu pour. Non, depuis journal, ça pas frappé policier. Même les jouer. Policier pas capable le coup non. Non mais c'est clair. Ah! Aïe aïe aïe. Pas donc pas un couvre-feu pour journaliste. Depuis 7h30 du soir là quand même.